Le musée se trouve dans l'enceinte même du château de Tripoli. Forteresse byzantine, puis musulmane, elle a été la résidence du pouvoir. Le fort a abrité tour à tour les représentants de dynasties arabes, les occupants chrétiens espagnols et les chevaliers de Malte, les pachas ottomans et même les gouverneurs italiens. L'aménagement intérieur est l'œuvre des Turcs. Les Ottomans en ont fait un immense palais aux allures d'un labyrinthe. Des voies arcades fonctionnant comme des rues côtoient des jardins, des salons d'apparat où se mêlent colonnes romaines, chapiteaux byzantins, stucs arabo-andalous, céramiques tunisiennes et ottomanes. Le musée en lui-même occupe près de 10 000 m² répartis sur 4 niveaux. Il abrite les merveilles de l'archéologie libyenne. Les gravures et peintures rupestres du Messac et de la Cacus sont très bien représentées dans deux salles réservées à la préhistoire. On peut également y voir les outils qui ont servi à tailler ces chefs-d'œuvre. Toutes les civilisations antiques y sont représentées, qu'elles soient carthaginoises, phéniciennes, grecques ou romaines. Les bustes et les sculptures exposées viennent principalement des villes de Cyrène, Apollonia, mais aussi des grandes cités romaines de Leptis Magna et Sabrata. Sabrata. Date d'inscription 1982 au registre de l'UNESCO. Justification d'inscription. Rapport de la 6e session du Comité pour la conservation des patrimoines de l'humanité. Sabrata était une escale phénicienne, un comptoir punique, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Les fouilles menées par les archéologues ont permis de découvrir les traces des tout premiers aménagements phéniciens sous la ville romaine. Géographiquement moins favorisée que Tripoli, la cité punique jouissait néanmoins d'un petit port naturel assez bien abrité des vents d'ouest. Une stèle consacrée à la déesse Tanit a pu être exhumée. C'est la seule représentation punique encore visible sur le site. Dès son occupation romaine, en 46 avant Jésus-Christ, Sabrata commence à se transformer. Les 1er et 2e siècles marquent le grand essor de Sabrata. L'attention des empereurs Flavius et Antoine et de leur descendance favorise la modernisation de la ville, qui avait été en partie détruite lors d'un tremblement de terre en 65 après Jésus-Christ.
Les fouilles de Sabrata ont mis au jour un nombre important d'habitations privées qui permettent d'appréhender la vie domestique de ses citoyens. Ces maisons étaient assez étroites, mais comportaient fréquemment deux étages et un système permettant de recueillir l'eau de pluie depuis le toit jusqu'à des citernes souterraines. La ville se christianise rapidement. Elle est l'orgueil des chrétiens d'Orient lorsqu'elle devient un évêché en 253. Sabrata continue de prospérer durant les siècles suivants. En 365, les premiers troubles sérieux interviennent avec le fracassant tremblement de terre. Le saccage de la ville est parachevé par les tribus asturiennes. Grâce à ses marchands, Sabrata arrive à se relever partiellement de ses désastres. Mais la nouvelle foi chrétienne empêchant toute reconstruction des temples ou des édifices païens, seul l'habitat urbain est restauré. Au 5e siècle, l'invasion des Vandales mettra fin à l'existence économique de la ville. La cité ne s'éteindra définitivement qu'après l'occupation arabe et le transfert du commerce à Tripoli en 748. Mais au 9e siècle, les tribus berbères Nafusala la rasent complètement, et de cette cité jadis florissante, il ne reste plus que quelques chapiteaux affleurants. Des termes de Sabrata, il ne reste pas grand-chose. Pourtant, on est frappé par la beauté des mosaïques qui surplombent la mer. Il comportait des salles avec baignoires et latrines, et déjà une palestra pourvue d'une piscine. Une étuve sèche, ou la conicum, ainsi qu'un destrictarium, pièce où l'on se débarrassait des huiles qui servaient à enduire le corps. Le théâtre, conçu sous l'empereur Commode, est dans un état de conservation absolument extraordinaire. Datant de l'époque sévérienne, il constitue le point d'orgue du nouveau quartier de la ville. Quand il fut découvert, seul était visible que quelques pierres venant des parties les plus hautes de l'édifice. Sa restauration est due à des archéologues italiens. Il fut inauguré en 1937. Par Mussolini. Son mur de Seine est quasi complet. Ses trois étages à excèdre et les 96 colonnes en marbre et en granit constituent le décor inamovible de toute représentation. Les statues des divinités, qui interviennent traditionnellement dans la tragédie, étaient disposées entre les colonnes. Les loges des acteurs et les coulisses se trouvait derrière le fronton. Les gradins de l'auditorium sont divisés en trois zones par deux chemins ambulatoires et pouvaient recevoir environ 5000 spectateurs. Séparé de l'auditorium par un muret en marbre, l'orchestre présente quatre marches basses sur lesquelles des sièges étaient réservés aux invités de marque. Les trésors d'histoire et de civilisation qui fleurissent partout en Libye ont été trop longtemps ignorés par la communauté internationale. La Tripolitaine possède des trésors archéologiques de tout premier plan que le voyageur ne pourra s'empêcher de venir admirer avant ceux que lui réserve le désert libyen.